Et c'est après un bon repas qu'on se relance immédiatement dans l'aventure d'Alzheimer-Zerian. Bah oui, n'est-ce pas? Tu vois, j'étais un petit peu énervé pour cette introduction. J'en suis désolé, je sais pas pourquoi. J'ai ma manette, s'il vous plaît. Elle est où? Pas de bruit Windows. Elle marche pas. Je suis hyper triste. Ah, c'est bon, elle fonctionne. Ben là, c'est con parce que ça n'a pas fait le bruit de connexion Windows. Mais ça fonctionne. Alors oui, juste pour info, pendant que je mangeais, du coup, je lui ai fait rechercher plusieurs fois dans la zone et il a enfin trouvé ce papillon aux grandes ailes. Et donc, je suis passé à la prochaine zone, tout simplement, et on est très content. Donc, nous allons continuer. Nous sommes au port... Qu'est-ce qu'on fout au port Zexon ? Ah oui, il fallait qu'on retourne à la capitale. Ok. D'accord. Bon, on va y aller. Let's go. Bon. Du coup, à mon avis, sur le chemin, on va avoir droit à des petites scénettes. Est-ce qu'ils nous ont refourgué les mêmes créatures ? おお、ベルベットのパッパージャヌ。カラカウト、ベルベットが怒るよ。いい子ぶってからに。実はボーマ、面白いと思ったじゃろ。気持ちをはっきり言わん子は悪い子じゃぞ。ちょっとだけ。ハトマネで。面白かったポッポ。 カノヌシの古文書ってそんなに難しいの？グリモワールが何とも言えない顔をしてたけど。うん。グリモ先生が言うには、古代アバロスト語に使われてるのは心象文字なんだって。心象文字？初めて聞く言葉ね。感情を表現した文字で、同じ文字でも読み方がいろいろあって、そのつながり方で意味も変化するんだって。つながりの法則は、 ある程度記録に残されてるんだけど、そもそもの感情を判別する方法が分かってないんだ。だから解読にはまず感覚的な部分で筆者の感情と同化する起点が必要なんだって先生は言ってた。なるほど。あんたはその同化のセンスがあるのね。そうみたい。それにしても感情の文字なんて現代の言葉とはまるで別物ですね。うん。 全然つながりがないんだって。つながりがないってどういうことだ？言葉どころか人間の文明そのものが消えたのじゃよ。アバロストの調律時代の後にの。花が満開を迎えた後に散るように、発達しすぎた文明も終焉を迎え、途絶えた。今の技術では再現できない遺跡や古代の道具が存在するのは、文明の断絶に原因がある。何にせよ。 Alors ça, on l'avait très bien compris il y a fort longtemps, n'est-ce pas? Ouh là là, toujours du mal pour régler ce son. Un ciel vachement bleu, tiens, ça fait plaisir. On n'a plus les nuages gris qu'il y avait dans l'autre zone. Ah effectivement, c'est plus les mêmes créatures, là. On a des faucons, on a des lolos. Et toi, t'es quoi, toi, au juste? T'es un singe des brousses. Ah ouais, c'est exactement le même singe, mais avec des couleurs différentes. Ouais. C'est pas ouf. On est un peu déçu. Niveau combien? 38. Ah, il a un bon niveau quand même. Je pense que ça peut rapporter pas mal d'XP si je prends le temps de ces quêtes de leur tataner la gueule. Ah oui, j'avais dit que je ferais la zone, la petite île où il y a des démons en boucle qui nous attaquent. Mais je l'ai pas fait. J'ai oublié. Mais je sais pas. Oh, je pensais pas qu'elle montrait jusqu'à 9000 de dégâts. Très fort son combo à chaque fois. Je suis surpris à chaque fois. Voilà, c'est tout. Je suis dans la surprise. Bon, toi, peux-tu mourir rapidement? Parce que c'est vrai que le combat commence à s'éterniser. Attendez. 13 000 points de vie, pourtant il n'a pas tant que ça. Il doit avoir beaucoup de résistance. D'accord. Très bien. C'était très intéressant tout ce que vous aviez à me dire là. J'adore. Ouais. On se tire. Non, on se tire. Casse-toi. T'es moche. T'as des ailes en plus. Mon dieu.
Donc on a une petite chaînette. On en a eu deux, en plus je dis des conneries. Ah, un pont, vous savez ce que ça veut dire? Non. Arrête. Arrête. Il n'y a pas eu de chaînette, je suis choqué. Sorry. Sorry, people. Mais il faut que j'aille voir s'il n'y a pas une plante. Il faut que j'aille voir si la plante a repoussé ou non. Et non, elle n'a pas repoussé. C'est hyper triste. C'est hyper triste. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, leur système de plantes. Ils ont insisté sur le fait qu'elle repoussait et qu'il fallait en abuser. Mais ça repousse que dalle, en fait. Hein. Ils nous ont menti. Depuis le début, ils nous mentent. Allez, petite sauvegarde, et on y va. Papa, 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 papa. 王都は大きくてすごいな。歴史的な建造物や工芸品もあるし、好奇心の強いあなたには面白い街でしょうね。うん。ライフセット、よそ見してはぐれないでよ。あ、ごめん。大丈夫。しっかりしてますよ、この子は。それはわかってるわよ。 Oh, c'est tout? Oh, je m'attendais à ce qu'il se passe des trucs de ouf. Mais non, que dalle. Ouais, si ça revient un peu en bas à droite à chaque fois la caméra, c'est quand je reviens sur le game. Hein. Alors, à tous les guerriers, je veux dire ceci. Si vous n'améliorez pas correctement votre équipement, la victoire vous échappera. La paresse peut avoir des conséquences douloureuses, croyez-moi. J'ai un foulard rouge et je suis très sexy. Par contre, j'ai un saut en fer sur la tête, je ne vois rien. Très bien. Bonjour. ことだよ。耳寄りな話があるよ。アルディナ草原方面への立ち入り制限がもうすぐ解除になるみたいだよ。おお、それは道寄りの情報じゃの。うまいこと言うね。それほどでもあるがの。アルトリウス様が同志になられたし、最近はゴーマの被害も減ってきている。いろいろと辛いことも多い世の中だけど、少しずついい方に向かってる気がしないかい？ じゃの、ヘラビーサを反対させた恐ろしいゴーマは今も愉快に逃走中じゃがの。え？イズルトのハリアムラはつい先日ゴーマ病で滅んだが、王都には関係ないでの。え？案ずるな。お主らの同志様と清涼様が世の中を救ってくださるんじゃろ。なんかあんたの話を聞いてると心配になってくるな。他に 何か事件の情報を知ってたら教えてくれないか。うむ。青い血、溶けた体、はたまた悪魔のぬいぐるみの話が良いか。無駄話してるなら置いていくわよ。<笑>というわけで、寄り道はおしまいじゃ。耳寄りの話をしてやれんですまんの。あ、ちょっと、あ、気になる。 C'est rigolo. En parlant d'histoire, je trouve ça hyper intéressant quand on raconte une histoire, pour quelconque raison que ce soit, de prendre le point de vue de quelqu'un, donc par exemple d'Artorius, pour donner un exemple qui parle, et le fait de faire passer ce personnage, comment dire, tout ce qu'il fait, c'est, ça apporte le bien autour de lui, donc c'est que du positif. Et qu'au fil de l'histoire, tu découvres justement que... toutes les personnes donc, qui sont dans ce cocon, hein, dans ce cocon où tout se passe bien, ils se rendent compte qu'en fait, la raison pour laquelle ils sont bien, c'est que d'autres ne sont pas bien. La raison pour laquelle ils sont bien, par exemple, à la capitale, c'est qu'ils délaissent plein de villages, par exemple. Et donc, dans les villages, il se passe des trucs horribles. Et par rapport, en plus, à l'univers, on a appris plein de choses. Mais voilà, juste en racontant une histoire, je trouve ça intéressant de prendre le point de vue de quelqu'un et d'un lieu, en général, où il y a une sorte de cocon de confort qui s'installe. Et on ignore un petit peu ce qui se passe à l'extérieur et de suivre un personnage random et qui se rend compte par lui-même des conneries un petit peu à l'effigie de Eleonore. C'est vrai que c'est intéressant. Les attaques de démons sont de moins en moins fréquentes, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ce qu'affirme l'abbaye. Bzzz, l'abbaye, ta gueule. Oh, je vous reconnais, vous êtes la ménagerie magique ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? C'est grâce à ce que vous pouvez vous balader avec des vêtements aussi extravagants. C'est grâce à ça? Ah bon? Ok. Je sais que le peuple a besoin d'être diverti en cette triste époque, mais vous feriez mieux de rester modeste. Vous ne serez pas jeune pour toujours. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais regarde, il y a de l'animation uniquement dans les boobs. Et ça, c'est hyper important. Et ouais.
Mais moi, j'arrête pas de le dire. Hein. Moi, je voudrais bien qu'elle se couvre le cul un peu, mais elle veut pas. Voilà, moi, je reçois un refus catégorique à chaque fois. Mais bon, écoutez, je fais avec. Hein. Garçon amoureux des chiens. Dans l'idéal, j'aimerais pouvoir laisser courir les chiens hors des murs autant qu'ils veulent. Oui, mais il y a des démons là-bas. Alors, on ne peut pas vraiment sortir. Ça ne fait pas plaisir à personne, mais le règlement, c'est le règlement. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher d'être triste pour ces pauvres chiens. Pourquoi devraient-ils souffrir à cause de nos règlements à nous ? C'est vrai, ça. Vas-y, laisse ton clébard sortir et se faire bouffer par les démons. Ou succomber à la fièvre démoniaque et revenir pour te pecter le cul. Ah, ça sera bien, ça. Ah, ça sera fabuleux, ça. On vient de me faire part d'une rumeur vraiment troublante selon laquelle la prêtrice Éléonore se serait retournée contre l'abbaye. Une exorciste ? Pourquoi aurait-elle retourné sa veste ? Il paraît qu'à présent, elle aide les démons. Aucune personne saine d'esprit ne ferait une chose pareille. C'est infâme. Elle est même pire qu'une traîtresse. C'est une ennemie de l'humanité. Hein ? Quoi ? Oh merde. Ça va, Léonore ? Comment je m'agis-je ? Ah, ça va encore la ménagerie de conneries. Popo. Nani ? Kono hito dakari wa ? Majiru Ichiza no kouen ga attan da ! Ya ! 噂通り最高の踊りが見れたよ! え? あのマジルーちゃんが? マギルーとな? いつの間にかわしのブームが来ておったのか! は? マギルーじゃなくてマジルーだよ! 大人気の踊り子、ルルーちゃんのことですよ! マジ最高なルルーちゃん、略してマジルー! こんな世の中だけど、マジルーの素敵な踊りを見ると、生きる希望が湧いてくるんだよ! Mais nous saoulez pas avec ça! こら! もっと悔しがらんか! マギラワシーナで、わしらマギルー奇術団の名声が利用されておるんじゃぞ! 名声って、何の活動もしてないでしょ? これからやろうと思ってたんじゃ! 悪の商法、わしわし詐欺じゃよ! 聞き捨てならないわね! あ、マジルーちゃん! 今日の公演も最高だったよ! ありがとう! でも先生には、まだまだだって叱られちゃった。 次はもっと頑張るから、また見に来てね! マジルーちゃんの師匠は天才の名声を欲しいままにした舞踏家バルタ。でもバルタは怪我で舞台に立てなくなってしまった。彼女は師匠の夢を受け継いで頑張ってるんですよ。お主がマジルーか。ええ、私と先生はみんなに感動を届けるため真剣に舞台をやっているの。インチキみたいに言われるのは許せないわ。 許せんならどうする?どっちの芸が客を沸かせるか 勝負してみるかえ? いいわ、望むところよ! くだらん争いをするな、ルル バルタ先生!でも… 未熟者が怒りを吐き出す暇があったらその感情を心で噛み砕き、五体に流し込め! 己を表現するのは舞台の上だけでいい。 はい、先生! あ、先生、また怪我の後遺症が… 構わん、どうせもう踊れぬ体だ。 そんなことより、お前こそ不調はないな。 はい! よし、なら帰って練習だ。 厳しいな。そうですね。けどバルタは孤児だったマジルーちゃんの才能を見抜いて自分の全てを伝えるために幼女にしたんだそうです。あの厳しさは期体の裏返しなんですよ。さっきからやけに詳しいな。ファンなんです、個人的に。同じ夢を追うしてか。それはそれはご立派な話じゃの。
そういうわけで我らマギルー奇術団の公演を開くぞよ。演目は漫才じゃ。ちょ、話が見えないんですけど。さっきマジルーと勝負すると言ったじゃろ。じゃのにお主らと来たら曲芸の一つもできんし。ごめん。仕方ないでしょ、素人なんですから。はぁ、少しは申し訳なさそうに言え。本来なら日の輪くぐりでも強制したいところじゃが、本当に漫才で何とかしてやろうというのじゃ。漫才ならわしが場を回して面白くできる。せいぜいおいしくいじってやるから感謝せい。でもマジルーちゃんと同じ舞台に立つなんて恐れ多い。お、さらりとやる気出したの。私は嫌よ。なんでそんな無駄なこと。無駄じゃないわい。公演が成功すれば大金が手に入るぞよ。しかも今はチャンスじゃん。マジルー一座と間違えて見に来るやつが多いはず。あっちの名声を利用する気満々だな。それじゃ、そういうリアクションをわしが転がせばドッカンドッカン受けまくりじゃよ。よくわからんが、そうか。ドッカンドッカン、自爆の間違いでしょ。おお、ベルベット、お主はツッコミでもいけそうじゃな。はあ、変な感心しないで。バカらしいが、金はあって困ることはないな。アイゼンまで。決まりじゃな。あちこちの町におる興行師に話しかければわしのコネで公演を開けるはずじゃ。とりあえず全員とコンビを組んでお主らのお笑いポテンシャルを見極めてやるぞよ。全員？俺もやるのか。無論じゃ、わしら全員でマギルー奇術団なんじゃから。どうなっちゃうんだろう。Ok. Non mais... j'ai déjà dit que j'aimais bien les petites scénettes un petit peu inutiles dans le sens où ça approfondit l'univers. Mais là, faut qu'ils arrêtent avec leur ménagerie de Magilou parce que c'est... Non, ça va pas. S'il vous plaît, arrêtez. Jeunes garçons sont une bande de voyous qui se donnent le nom de pirates d'Aifreid règnent en maître sur les mers. Comment peuvent-ils causer tant de souffrance à leurs semblables en des temps si désespérés? À mes yeux, ils sont plus méprisables encore que les démons. Tu as raison, j'espère le voir un jour pendu. Rien que ça. Mais vouloir la mort de quelqu'un d'autre ne vous rend-il pas plus mauvais que chez dernier? On est en droit de se poser la question, fillette. Ah, il faut que je te raconte, je viens de rencontrer le prêteur Oscar. Il avait une cicatrice sur le visage et des bandages sur tout le corps. Mais il a ri et dit qu'il allait bien. Il a l'air tellement gentil et tellement fort, j'aurais voulu le serrer dans mes bras. Je suis gentil moi aussi et fort. Oh putain, là je vous dis. Volta. Les plus grands adversaires d'une danseuse sont son propre corps et le cœur de son public. Si tu n'arrives pas à établir un lien, tu n'es qu'une saltimbanque entourée de badauds. Je n'oublierai jamais cette leçon. Mais c'est pas une leçon, ça c'est une insulte gratuite. Oh bon Dieu, mais arrêtez-le. Ok, non, ce coffre s'est réouvert. Bon, il n'y a plus de coffre dans la zone, visiblement. Magiru, le nom de Magiru, c'est un peu Magiranika. Magiranika? Ah, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Oui, oui. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de。おかげでそやつを囲っておった一座は相当儲けたらしいの。ええ、けど悪毒やりすぎて王国の異端審問に引っかかったのよね。マギラニカはひどい拷問を受けたとか。じゃったじゃった、結構有名な話じゃよな。聞いたことないけど。それはそうでしょうね、私が若い娘自分の話だもの。マギル、あんたっていくつなの？いくつに見える？今のリアクションで同世代じゃないことはよく分かったわ。ça, ça serait intéressant que Magilou soit vraiment hyper vieille en fait et qu'elle ait vécu des trucs dans les temps anciens, au final, enfin anciens, pas déconner non plus, c'est tout est relatif.
Ouais, bref. Ouais. Non, mais bref. C'est quoi l'objectif? Parce qu'en fait, je viens de réaliser que je sais même plus où est-ce que je me... Ah, mais on va voir les sanguins, on va voir la taverne, d'accord. Je savais pas. Autant pour moi. Camelot bien informé, la terre des Sgandes et du nord-est de Midgand a beaucoup tremblé durant ces derniers siècles. Des chaînes de montagnes entières ont été presque intégralement englouties par les mers pour ne plus former aujourd'hui que des archipels. Et des villes et ruines innombrables dorment à présent sous les flots. Les montagnes peuvent se transformer en îles. Tout à fait, autrefois, les îles du lac tranquille étaient toutes des montagnes. Génial, j'aimerais beaucoup voir ça. Je voudrais bien t'y amener, mais la région est en proie à de constants orages. Les bateaux ne peuvent même pas s'en approcher. C'est pour cette raison qu'on surnomme parfois ces îles les îles Tonnerre. Tonnerre de Brest. Je crois que je me suis trompé d'expression. Alors, il y a la petite, c'est pas une taverne, ah merde, je sais plus comment ça s'appelle. Auberge, voilà. Petite auberge. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on vide le vin, mais qu'est-ce que je dis? On vole le vin. Ce soir, nous mangeons un ragoût à l'ogresse. C'est une de nos spécialités ici à la capitale. Non seulement c'est délicieux, mais en plus, ça fait pousser les poils du torse. What the fuck? Quoi? Vous ne voulez pas avoir de poils sur le torse? Eh bien, moi non plus. Mais j'aime quand même ce ragoût. Alors, goûtez-le. Chelou votre ragoût, les gars. Ouais. Non, mais je veux pas dormir. Je ne souhaite pas dormir. Qu'est-ce que tu fous devant la porte? Mince, j'ai encore laissé ma clé dans la chambre. Pourquoi cette ville a-t-elle installé des serrures automatiques dans les auberges? Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait des systèmes comme ça à l'époque. Je suis vraiment pas certain. Alors. Pas de scénette? J'aurais pensé qu'en arrivant sur la place centrale, une scénette se lance. Soldat. Réfléchis au lieu, aux dates des attaques de démons. Et ces crapules doivent voyager à bord d'un bateau, c'est la seule solution. Ce qui veut dire qu'ils ont peut-être reçu l'aide de pirates. Notre devoir est d'assurer la sécurité de la capitale concernant. Concentrons-nous là-dessus. On doit raison, je suis laissé emporter. Moi, bien sûr que tout a laissé emporter. En plus, nos casques ne nous permettent pas de voir les ennemis. Très intéressant ce soldat en tout cas. Bonjour. Encore un domestique. Oh là là. Je cherche de nouveaux membres dans mon groupe. Profitons ensemble de notre jeunesse grâce à la musique. Excellente idée, je ne pense qu'à la musique ces derniers temps. Super, j'ai le sentiment que nous allons créer une superbe mélodie toutes ensemble. Non. Je me casse. Non mais je suis sûr, il va y avoir une scénette. Là. Toujours pas? Oh c'est fou. Je me fais avoir. Jeune passionné. Écoute, et si on se procurait un canon? Tu penses que ça nous permettrait de vaincre les démons? Si tu arrivais à viser, bien sûr. Mais les canons sont des armes conçues pour attaquer ou défendre des positions fixes. Les démons se déplacent très vite et frappent quand on s'y attend le moins. Ils feraient des cibles difficiles. Là, j'ai bien peur que les exorcistes constituent notre meilleure chance, et de loin. Pourquoi il veut un canon? Un canon, je veux péter la gueule, moi, démon. J'ai une chance, moi. Ok, petit dialogue ici. Non, je veux juste regarder le marchand. Désolé, je vous impose ça encore. Est-ce que vous vendez des équipements de rareté 10? Pas du tout. On se fait bien arnaquer à la gueule. Je suis un peu triste. ペラビーサの港がろくに動いてないらしいからな。ケララウス火山でいくら採掘しても出回らないんだ。清涼の方たちもそのことは気にかけてくださってる。辛いのはわしらだけじゃねえ。我慢しないとな。そうね。こういう時こそ、子よりも善。アルトリウス様の教えを実践しないとね。その通りだ。アルトリウス様は、とわしらのことも考えてくださっているはずだよ。考えてないわよ。あんたたちのことなんて。聞き捨てならんな。子よりも善なんでしょ。アルトリウスが救いたいのは人間っていう善よ。名前のある個人なんて眼中にないわ。はっ。全然わかってないのね、あなたは。私たちを含めて人間全体なんでしょ。幸せね。すみません。この子は演説の時に城内に入れなくて、それで未だに拗ねてるんです。そうなの？もうしょうがない子ね。
それにしてもあの演説は素晴らしかったな。Ne jamais tout rejeter en bloc. Toujours essayer de voir la... l'aspect intéressant de des arguments en face, même si c'est un avis contraire au sien. La majorité dont parle le Seigneur Artorius désigne tout simplement les autres. Seuls les hommes sont capables de se sacrifier pour le bien d'autrui. C'est une force, une sorte de pouvoir que seuls les êtres humains possèdent. Pour le bien de la majorité, il est indispensable que vous utilisiez la raison pour réprimer vos sentiments personnels. Par exemple, durant un discours, vous ne devez pas râler tellement fort que les autres ne peuvent plus écouter. Putain, ça me rappelle une anecdote. Mais je peux pas en parler. Ah putain, dans un endroit où je suis au calme au travail, il se met à gueuler, enfin pas à gueuler, mais à parler fort. Bref, mais je vous parlerai. Jeune croyant, j'ai entendu parler d'un réseau secret à la capitale qui s'apprête le travail de l'abbaye. Je vais démasquer ces voyous et les dénoncer. Ah là, je te suis. Allons à la taverne pour discuter du piège que nous pouvons leur tendre tout en mangeant un morceau. Ça c'est marrant parce qu'en fait ces mecs là que vous recherchez, ils sont justement à la taverne. Alors, expédition. Donc il revient viande de l'apport. D'accord. Pour une île de niveau 16, c'est pas ouf qu'il y ait des tomates et de la viande de l'apport quoi. Pas hyper exotique quoi les trucs. Fais voir les zones. Zone de niveau 15. Il manque quoi? Ok. Il manque un trésor, un accessoire pour les personnages, de matériaux et la prochaine zone. D'accord. Eh ben on n'a pas fini. Hein. Eh ben on n'est pas sorti du sable. Hein. J'aime pas cette expression. Je déteste cette expression pour tout dire. Oui, si, il y a encore du peuple. Mère de la fille. J'ai entendu dire que les démons avaient saccagé tellement de champs qu'il allait bientôt falloir rationner la nourriture. Pour les adultes, ce sera difficile, mais ils survivront. Mais qu'arrivera-t-il aux enfants en pleine croissance? Tout ira bien, peu importe. Si j'ai faim tant que je suis avec maman, nous ne devons pas être égoïstes, n'est-ce pas? Tu as raison, ma chérie, tu me donnes tellement de courage. What the fuck? Ils sont en train de se donner... L'abbaye est en train de se donner l'excuse que les démons ont tout pété pour diminuer la nourriture, t'es sérieux, là? Les Malekims sont vraiment effrayants. Ils font tout ce que leur dit l'exorciste qui les contrôle. On dirait que ce sont que de simples outils, et non des êtres vivants. Je vois très bien ce que tu veux dire, je préfère encore avoir un chat ou un chien, merci bien. Ouais, d'accord, très bien. Tu veux des informations sur l'émission, tu es bien fait de venir, alors... Ah, cool, il y a des nouveaux trucs. Non, pas du tout, il n'y a rien. C'est de la merde. Eleanor, anta wa soto de mattete. Taimashi ga issho ni iru koto wa keshichou no boss mo shitteru. Demo, wakarimashita. Seiryou ni kao o miraretaku nai kyaku mo iru desho. Life set, anta wa Eleanor ni tsuite nasai. Un. Sugu ni modoru kara. Ça sent pas bon. Wazawaza kite kurete arigato. Hisashiburi ne. Peach pie taberu? Yōken wa? Mou sukoshi kokoro ni asobi o nokoshite okinasai. Haritsumeta yumi no tsuru wa kireyasui wa yo. Yōken. Kono hito o ōto kara tsure dashite hoshii no.気が臭い依頼ね。目的地は？お上の手が届かないところまで。そんな場所があったら、こっちが知りたいわ。俺たちもそんな場所が必要なんだが、なかなか上手い話はなくてな。そういえば、ここしばらく清涼本部と監獄島タイタニアの連絡が途絶えてるって噂よ。 監獄島は清涼が管理している施設。それが連絡もつかないほどの状況になったというのか。東大元暮らし。監獄島は使えるかもしれない。アジトニッコ。確かにあそこならクーマが食べる汚れも多そうだ。
しかも逃げ出した囚人が好き好んで戻るとは、お行儀のいい清涼は勘がいいんじゃろうしな。少なくとも状況を確かめる価値はある。お役に立てたかしらね。ええ、でももう一つ、清涼がゴーマをかくまっているって情報はない？離宮にいたゴーマなら別の場所へ移ったようよ。どこへ？今言えるようなことはないけれど、近いうちに必ず。わかった。こいつを逃がす報酬はゴーマの情報よ。承知したわ。アイゼン副長、メルキオルとやり合った件は聞いたわ。情報をつかめなくてごめんなさい。あれは乾杯じゃったな。いい、もう済んだことだ。アイフリードのこと諦めるの？いや、アイフリード海賊団は清涼の計画を潰しに動く。俺たちがでかい被害を与えれば、清涼はアイフリードに人質の価値を見出すはずだ。罠を仕掛けてきた時を狙ってあいつを奪い返す。攻撃で活路を開こうってわけか。さすがだな。アイフリードならこの策を取る。それだけのことだ。J'aime bien l'idée. J'aime beaucoup. Faire exprès d'attirer l'attention sur soi pour qu'ils utilisent en tant qu'otage la personne que tu recherches. お前に同志の特命を授ける。ライフィセットと名乗る精霊を保護し、ローグレス清涼本部に回収せよ。どうかした？あ、ちょっと街を歩きませんか？私が王都を案内してあげます。でも私のこと信用できませんよね。ううん、そんなことないよ。僕、エレノアと王都を見たいな。ライフィセット、でもまた今度にしましょう。どうして？それはほら、ベルベットが怒るし。私が何？話は終わったのですね。そちらは？闇の組織の親分から預かったお宝じゃ。悪党に奪われぬよう監獄島へ隠しに行くぞよ。なぜ監獄島に？一体どういう方なのですか？聞いてない。はあ？なんかいい匂いがする。え？クンクンしてないで行くわよ。C'est quoi leur délire là? 素性も目的も知らずに依頼を受けるなんて。知らない方が面倒がないのよ。あのマントの人、どういう人なんだろう。わかりません。けど連れている鷹はとてもよく訓練されているようですね。鷹狩りに使う鷹かな。おそらく育てるにはお金も時間も相当かかるはずです。ライフセット、やっぱりいい匂いがする。ですよね、この匂い前にもどこかで。まさか。え、何？二人並んでクンクンしちゃって。わかった、犬の兄弟ごっこじゃろう。違うよ、犬じゃなくて鷹が問題で。はあ？すみません、行儀が悪かったですね。Ah oui, non, merde, il y a déjà mon son. Ok. J'attendais de le réactiver, mais j'étais là, j'étais présent. C'est quoi leur idée, leur délire avec l'odeur, là? Qu'on m'explique?
On a loupé un épisode ou quoi? Et t'as toujours rien, toi, hein? T'es toujours un salaud. Oh, y a, salaud. Je viendrai plus jamais chez toi. Méchant. Merde, c'est en bas. Chier. J'étais pas au bon endroit. Ok, Titania, bah, c'est la prison. La prison, il fallait retourner à la prison, d'accord. Mais du coup, on n'a rien d'autre à faire dans la capitale, c'est bizarre. La ville attire beaucoup de gens parce qu'on y est en sécurité, mais la nuit, c'est une autre paire de manches. D'accord. Parce que de toute façon, je peux dormir, on voit pas avec mon casque. いつになったら戻ってこられるのかしら。ここだけの話、ギデオン様はゴーマに殺されたらしい。嘘でしょ?嘘じゃないぞ!ちょっと聞こえますよ!王宮で働いている知り合いからの情報なんだが、頭が狼、体がゴリラみたいな女ゴーマが犯人らしい。でも、どうやってゴーマなんかが王宮に入り込めるの?王宮で権力争いしてる奴らが、邪魔者を殺すために、 こっそり利休にゴーマを閉じ込めてたんだってさ。だから時々恐ろしい叫び声が利休から聞こえてきたって言うんだよ。今もいるの?さあ、逃げてしまったらしいけど、心配はいらないさ。さすがにもうこの町にはいないだろうし。ところがウィッチョン、ここにおるんじゃよ。注目せい!いい加減にしなさいよ。 Non, elle peut continuer, moi je trouve ça marrant. Il n'y a pas de problème. Et j'aimerais beaucoup le délire qu'on soit complètement à découvert dans la capitale. Et je n'arrive pas à croire que certaines personnes puissent contester l'autorité en ces temps pareils. Ils placent leurs propres désirs avant les besoins de la majorité, c'est inadmissible. Exactement, ils accepteraient d'obéir aux ordres du berger, il n'y aurait aucun problème. Mais tête de con! C'est que tu prends un exemple en France, par exemple les attentats, on leur fait passer plein de lois à la con, et les gens ils sont en mode oui, bah c'est normal, voilà, non, mais oui, non, que l'État observe les moindres faits et gestes, oui, non, mais y a pas de problème, oui, non, j'accepte, oh, il faut pas être égoïste. Arrêtez d'être con, putain! Refusez en bloc toutes ces merdes! Domestique à mi-temps, nous y sommes, c'est notre chance, notre musique va conquérir le Midgan et ensuite le monde entier. Ah oui, d'accord, mais ils vont vraiment faire une troupe de musique, eux? Je me demande ce que ça va donner. Alors, objectif. On a besoin de retourner là-bas. De toute façon, on avait déjà tout fait. À mon avis, on peut y retourner pour farmer. On va pas y aller. Bon, et ben on va retourner vers Titania. Bon, on sait clairement qu'il va se passer des choses. On va pas pouvoir se barrer comme ça aussi facilement. On n'est pas bête. Hein, on se doute qu'il va y avoir quelque chose nous empêchant de repartir. Peut-être au Port Zexon, déjà, vu que l'autre a demandé un tarif 3 fois plus élevé, il va peut-être tout simplement appeler les gardes. Déjà, pour commencer, donc notre bateau, ça va être compliqué. Et ensuite, déjà, pour sortir de la capitale, il va peut-être nous emmerder. Je ne savais pas que la maladie de Rouache était tant aggravée. Du roi? Ah bon? Ah d'accord. Ce n'est pas vraiment une surprise, il n'est plutôt jeune. Et puis avec des hommes de confiance comme le berger et le prince pour assurer sa succession, il n'a pas à s'inquiéter pour l'avenir du royaume. D'accord, pas de problème. Et j'ai obtenu un permis de déplacement nocturne. Je vous souhaite bonne chance pour votre mission. Et vous avez vu, j'ai un permis de conduire, j'allais dire. Et où ma voiture? Elle est où? J'ai pas trouvé. Ouais, je sauvegarde quand même un petit peu au cas où. Aucune raison, mais voilà. Alors... Par contre, ce qui m'enquiquine un peu, c'est que du coup, faut qu'on retourne à parler au promoteur de Port Zexon et monter un numéro. Putain, on va vraiment faire ça. Chercher une corne de licorne pour préparer l'élixir Omega, sauf que ça, c'est une zone dans laquelle on n'a pas accès. Emmener l'homme mystérieux à Titania. Ok, pas de souci. Ah, alors attendez, parce que là, il se passe des choses. Là, il se passe des choses. Route du lac de Galmarais. Déjà, on a une nouvelle zone, on peut y aller. Ensuite, trône de l'Empire et un... Bon, on s'en fiche. Ok. Donc ça, on l'avait fait. Donc, faut que je fasse ça, mais ça, je le ferai en off. Titania, donc faut qu'on y retourne. Et surtout... Ah, je crois qu'il y a... Ah non. Non, c'est pas parce qu'on peut le voir qu'il est accessible. On verra quand on sera au navire si c'est accessible. Je vais quand même aller regarder à droite. Je pense que la route est toujours barrée. Mais j'ai envie de vérifier, tout simplement.
pour voir si on y a accès ou non. Le coffre s'est refermé. Est-ce que la plante n'a pas repoussé? Que dalle. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Bon, le coffre, j'irai même pas le fouiller parce qu'on s'en fout un peu. Non, c'est toujours fermé. Ok. Bon, allez, je retourne au port section et je relance une scénette. Et donc, eh bien, je relance, puisque en codage, j'en surcharge. Ah merde. Bah, j'espère qu'il n'y a pas eu un petit décalage à la con. Bref, je relance parce qu'on arrive au port section, mais en fait, je vais pas tarder à arrêter parce que je viens de capter que la vidéo était très longue. Ok, alors j'espère qu'il n'y aura pas eu un freeze quand j'ai relancé. Je m'en excuse si c'est le cas. Enfin, les soirées animées font leur retour dans la ville. Les gens se sentent plus en sécurité grâce aux gardes. C'est vrai, mais n'en faites pas trop. Je suis prêt à parier que le billet réprimera toute agitation un peu trop vite, un peu trop vive à son goût. Désolé, je crois que j'ai complètement consommé de l'alcool. Pas du tout. Oh, j'ai envie de boire du jus de cranberry. J'ai très envie. Je pense que je vais me faire ça. Alors, il y a quelques dialogues. Je vais essayer de les faire avant de mettre fin à cet épisode, mais j'espère que ça ne va pas trop durer, parce que c'est vrai que je crois qu'on est déjà à plus de 40 minutes. Hein. Eh oui, ça va vite. Ça va très vite. VCじゃのしかも大鳥がケツカッチンなのに埋設が土地って巻き入ってるんでドイヒじゃがでそれ形容じゃ何言ってるか全然わかんない。では行くぞよベルベット、お主がツッコミじゃ。あ、私？わしがボケ倒すからお主はいつも通りクールぶってツッコめばよい。時々会場の男どもを餌を欲しがる豚を見下す目で見てやればさらにポイントゲットじゃん。ちょっと待って、意味わからないし心の準備が。もう遅い、すでに幕は上がっておる。Ah mais t'es sérieux là? Bon, par contre j'adore cette musique. Manzai combi, Magi Belja yo, Magi Pui. Shinjin ja kedo ganbatte iku nde, kyou wa kao to namae dake demo oboete itte okure. Kono ai kurushii no ga Magi de, kochi no tan ni kurushige na no ga. Kore kore, dou shitan ja Belu?元気出さんといかんぞよ。お主なんて元気だけが取り柄なんじゃから。そんなこと言われても。ちょっと中になんか詰まってるみたいじゃな。そうじゃ、一回深呼吸しよ。ちょっとすみません。どういうつもりじゃベルベット、客ドン引きじゃぞ。仕方ないでしょ、こんな大勢の前で喋ったことないんだから。お主ひょっとして緊張しとるのか。悪い柄にもないことを。タイマシを食らう勢いでハキハキ喋らんか。無茶言わないでよ、恥ずかしい。乙女か。乙女よ。それそういうのを声張って言うんじゃ。無理だし、嫌よ。貴様、それでも芸人か。芸の道を歩き出した時の情熱はどうしたんじゃ。違うし、そんなもんないわよ。いや、わしにはわかる。お主の中には燃え盛る芸人魂が。もういいわ、あんたとはやってられない。どうも、失礼しました。初めて見たよ。つかみと落ち以外、ひそひそ話の漫才なんて。新たな笑いを狙ったんじゃが、どうだったじゃろう。ふう、二度と来るな。そりゃそうよね。本番でそのツッコミをせんか。Ben oui, mais elle nous a saoulé, elle aussi. Voilà, fallait pas nous emmerder. Voilà, c'est tout. Magie est belle, hein?Autant vous prévenir tout de suite, vous ne ferez pas carrière là-dedans. Mais tant mieux, mais c'est ce que je voulais, c'est ce que je désirais, donc ça me va très bien. Autrefois, il y avait toujours des allées et venues de bateaux. Le port ne dormait jamais.
Ça a bien changé, mais je suis heureuse qu'il y ait à nouveau un peu de mouvement pendant la nuit. Ah, oh, moi, je suis hyper triste. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a des codes rouges ou pas, toi, parce que tu m'emmerdes. La vie portuaire... Ah, oh, tu l'as déjà dit. Il n'y a rien. Il n'y a rien, on n'est pas hyper content. Je voulais juste vérifier un truc. On a combien de pièces? 1420 en récupérant dans des coffres. Bon, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est déjà pas mal. Entre guillemets. Nous, ce qui nous intéressait... Bah, il n'y a rien qui nous intéresse, en fait. Ah ouais, 10 000 les fragments de fluorite. Alors que... Fluorine. Alors que c'est de la merde. C'est complètement de la merde. T'as pas normal... Ouais. Non, mais il n'y a rien. C'est tout pourri. C'est tout pourri. En plus, c'est des mini-jeux complètement inintéressants, hyper répétitifs et compagnie. Il y a plein de chats. Regarde, il y a plein de chats partout. Il n'y a pas de dialogue ici. Non, bon allez, on va faire ce petit dialogue et puis on s'arrêtera là. Qu'est-ce qu'il faut? On va les espionner, là c'est pas un dialogue, hein. Là c'est de l'espionnage. Moi je le dis. いつになったら買い物要塞の通行許可が出るんだろうな。いちいち遠回りしなきゃならねえから不便で仕方ねえ。勝手に海にもんなんか作ったくせには、せめてちゃんと行き来はさせろってんだよな。気持ちはわかるが。 手強いゴーマどもが暴れてて、開門の修理なんかに手が回らないのかもな。ほら、ヘラビーサを荒らしたゴーマってのは、まだ捕まってないって言うだろ？捕まってないぜ。ここにいるからな。俺が聞いた話じゃ、開門要塞をぶっ壊したのも、王都の大司祭を殺したのも、そのゴーマらしいぞ。なんだって？マジかよ。つうかよ、大司祭って殺されたのか？ああ。怪我したとか病気とかって言われてるが、 実はそういうことらしいんだよ。そりゃ開門どころじゃねえな。清涼には早いところ、その化け物みたいなゴーマをぶっ潰してもらわねえとな。随分わしらの評判も広まってきておるの。今頃懸賞金がかけられてるかもんな。尾ひれはひれがついて化け物扱いされ始めてる気もするがな。誤解してもらった方が動きやすいわ。町が混乱するのは好都合よ。 Ouais, mais je sens que la prochaine fois qu'on va venir, ça va mal se passer. Hein. Parce que là, on va se barrer de la capitale. Parce que bon, déjà de base, je suis baladé comme ça dans la capitale, c'est pas ouf. Après l'incident avec le grand prêtre, je me suis rendu compte que l'abbaye nous cachait beaucoup de choses. Eh bien, tout le monde n'a pas toujours besoin de tout savoir, n'est-ce pas? Si je me trompe d'itinéraire, je ne vais pas aller raconter à tout l'équipage que j'ai fait une erreur. Quoi? Si tu veux mon avis, tu ferais mieux d'en parler. Oui, oui, vaut mieux, parce qu'à bord, c'est après t'atterris pas forcément au bon endroit, c'est à part terrible. Bon, je vais juste vérifier un truc. Ah, bon, je vais rien vérifier du tout. これ以下お望みなら、どこかの事前課を探していただいた方がよろしいかと。また何か揉めてる。お、what? Oh hell no. これは... しっかりしなさい! Ouais, tous les coups, c'est un rapport avec l'autre, là. Allez... Ore... Hokyu no koushou wo shitete... Bushi wa tekika de... Ie... Jiyuu ni omochi kudasai. Ningen wa... Eiri kouii nado dewa naku... 自信なく交易に奉仕することでの自己実現を達成すべきであり。あ？本当にいいのかよ。あ、いや、私は何を。ボーモ、今のを感じたかい？うん。 もう消えたけど、北の方から強い波みたいな力が来た。精霊が持つ力の支配権、領域だ。ここの北って、聖主の御座からか。カノヌシとアルトリウスが何かやったってことか。わからない。
嫌な予感がする。急いでここを離れた方が良さそうだな。人生か。Si c'est le prince, j'en kiffe. Vas-y, dites-nous que c'est ça. 気持ち悪いが、タバサからの依頼が先だ。アジトも見つけなきゃだしな。そうね。Vas-y, dites-nous que c'est lui, là. Parce que qui voulez-vous que ce soit? Si c'est un personnage random, c'est décevant. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai fait une chose pareille.Qu'est-ce que c'est ? Il manipule les gens ? Mais comment il pourrait manipuler les gens ? C'est étrange. C'est flippant, surtout. Ça, grand-mère, tu marmonnais quelque chose. Oh, qu'est-ce que je disais ? Tu as dit, en fait, je ne m'en souviens pas vraiment. Oh, petite conne, pardon. Oh, père, t'es bien ? Qu'est-ce que tu dis, ce jeune homme ? C'est un peu bien.いやだってさ、いきなりバカ丁寧な話し方でこれまでのツケはもう結構でございますって。冗談は顔だけにしやがれ。冗談じゃねえって。確かに親父がそう言ってたよな。言ってたよ。でも俺もお前も変だったぜ。お前は俺に先に買い物をどうぞって言うし、俺もいやいや俺なんか後でいいって。普段なら絶対にお前だけには負けたくねえのによ。そう言われりゃそうだな。親父が月をチャラにしてくれるって言ってんのに、金を踏み倒すなんて人間の道に反するって思った。自分を見失っているのに記憶はある。精神的な抑制がかかったということか。一体何だったんだろうな、さっきのは。よく分からねえけど。親父、やっぱり月をチャラにしてもらってもいいか。もう俺もバカ野郎、てめえらのツケをチャラにしたら首が回らなくなっちまうだろうが、さっさと払いやがれ。みんな何かおかしくなってたんだね。ああ、やはり何かが始まろうとしている。Ouais, ils essayent d'éradiquer le mal qui habite les humains, mais les humains sont foncièrement mauvais, j'arrête pas de le dire, et même dans la vraie vie. Donc du coup c'est mort les gars, vous pourrez rien faire. Employé du magasin. Quoi ? Désolé, j'ai une seconde d'absence, je crois que je travaille trop dur. Écoutez-moi bien, si vous ne vous dépêchez pas de me payer ce que vous me devez, je double la somme. C'était pas juste, attendez un peu que j'en parle à l'abbaye. Et voilà, hein, qui a du cran. Ouais, du cran entre guillemets. Du cran que dalle. Oh ! Il se passe des trucs chelous, mais c'est pas grave, mon bateau il est revenu. Repart. Voilà. Liste des compétences, pas ça. Info de la zone. Ouais, il nous manque encore plein de trucs. Hein. Ça me donne envie de retourner en arrière pour voir un petit peu tout ce qu'il y a, éventuellement les dialogues qui ont pu popper. Mais c'est pas ce qu'on va faire. On va... Merde, la vidéo! Oh là là, je crois qu'elle fait une heure, celle-là. Je crois sans déconner qu'elle fait une putain d'heure. Je vais juste regarder un truc. Ouais, ça va mieux. On peut pas. On peut aller à Titania, mais voilà, on peut toujours pas retourner dans la zone enneigée, là où il y a le prochain ingrédient. Donc c'est assez emmerdant. En plus, ouais, là, on peut vraiment plus rien faire, quoi. On peut faire les zones de classe 4, pas de souci. Je pense que je ferai celui-là. Et aller à Titania, mais c'est tout. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là-bas. Je vais cut... la vidéo ici. Voilà, bonjour, bienvenue. J'étais moi depuis tout ce temps derrière la caméra, mais c'est vous. Personne ne s'y attendait, n'est-ce pas ? Donc je vais faire ça en off, hein. Quartier des bêtes, zone administrative de classe 4. Je vais faire ça tranquille ou dans mon coin, parce que on le sait, c'est totalement inintéressant. C'est juste on combat des meubles, ou alors, et en plus, il n'y a même pas de scénette. La première, il y avait une scénette pour présenter les choses, mais là, il n'y en a plus. Sur ce, je vous dis, c'était Galagardo et je vous dis à la prochaine. Je vais faire ça dans mon coin, puis je relance une prochaine vidéo juste après. Ah mais non, mais pour Ethan, c'est là. Au revoir.